Alors, on travaille déjà depuis plusieurs années avec des biologistes parce que, donc d'abord, on a travaillé avec des chimistes et aujourd'hui, on travaille aussi avec des biologistes parce que justement, la dynamique océanique impacte énormément l'écosystème, déjà quand il n'y a pas de changement climatique, pour savoir notamment dans les régions des fortes pêches, c'est la dynamique océanique qui fait si qu'il y a des fortes pêches, parce que c'est elle qui amène les engrais essentiels pour la production de toute la chaîne alimentaire à la surface de l'océan, là où il y a de la lumière et ces écosystèmes peuvent vivre. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'à cause du réchauffement, par exemple, les espèces commencent à migrer et certaines espèces souffrent aussi parce qu'ils commencent à manquer peut-être un peu d'oxygène, aussi avoir de l'acidification. Donc, au fond, la recherche sur le climat, elle est déjà structurée avec la biologie qui est intégrée dans les modèles du climat. Et aujourd'hui, on va encore vers ce qui n'était pas modélisé dans les climats, c'est vraiment les poissons, les prédateurs ou même l'économie. Et donc aujourd'hui, on développe ce type de modèles en collaboration avec des biologistes. Après, il y a encore des biologistes avec lesquels on n'a pas encore beaucoup interagi, mais cela commence. Et d'ailleurs, on organise tous les 10 ans, depuis une vingtaine d'années, des grandes conférences sur l'océan. Et la prochaine, elle est en 2019. Et à ce moment-là, on cherche d'avoir tout le monde qui travaillent sur l'océan, y compris l'économie et l'économie bleue, et la gouvernance, autour de la table. Je cherche toujours d'aller vers les publics différents et variés, donc je réponds toujours positivement à des sollicitations. Mais je pense que je m'investis aussi d'une autre manière. L'autre manière, c'est chercher d'aller vers la société, vers les politiques, pour chercher de lui faire comprendre l'importance de ce qui est d'une part la science du climat, mais de pourquoi il faut agir vite, et aussi de chercher de prendre part de manière un peu plus active à cet dialogue avec les scientifiques, notamment aussi voir ce qui est important. Parce que par exemple, la petite collectivité territoriale qui est face au réchauffement climatique, il y a l'élévation du niveau de la mer, il y a aussi l'aquaculture qui cherche de développer, mais qui se retrouve, par exemple, il y a des développements des vibrios qui commencent à arriver parce qu'il fait plus chaud localement, et donc ils se développent à partir d'une certaine température. Et cette collectivité territoriale ne sait pas quoi faire. Et donc il faut développer aussi des services climatiques, et ces services climatiques, il faut qu'ils soient développés par les scientifiques, mais accompagnés par les politiques. Et donc je cherche de m'investir aussi dans des tâches qui ne seraient pas les premières. Donc je suis une experte dans un comité qui discute avec justement ceux qui développent les lois littoraux, et ainsi de suite. Donc il y a différentes façons dans lesquelles je cherche de m'investir parce que ça va vite, il faut aller vite. Je pense que les politiques, nous sommes considérés un peu comme des sorciers en tant que scientifiques, des sorciers qui on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on fabrique. Même des fois, on est taché d'être des imposteurs, qu'on cherche de ramener l'argent de la recherche vers nous parce que avec une excuse des changements climatiques. Donc moi, je pense qu'il faut continuer à les convaincre, c'est-à-dire à opposer de l'information à la désinformation, ce qui demande énormément de temps aussi, mais aussi d'aller vers eux en sachant qu'ils ne connaissent pas du tout ce qui est notre métier, mais en cherchant de leur imposer des exemples pour leur montrer que nous sommes là pour aider et qui aujourd'hui, il faut vraiment faire quelque chose. Alors, c'est de l'investissement dans les énergies renouvelables, mais pas seulement. Voilà.
Donc, avec nos moyens de communication, en rencontrant des gens politiques aussi, qu'on se retrouve dans des événements. Il y a eu des publications qui ont parlé des saturations, mais il s'avère que ce n'était pas exact. Donc l'océan, il est encore en train d'absorber et nous ne savons pas si un jour il pourra être saturé. Ce qui est vrai, c'est que le carbone, il est pompé pour l'instant de la surface vers la profondeur. Et quand on sait l'échelle à laquelle cette eau profonde s'écoule et ensuite un jour elle reverra la surface, c'est des milliers d'années. Donc on peut penser qu'il peut continuer à pomper du CO2 en profondeur encore. Le problème, c'est que quand il absorbe du CO2, la quantité du CO2 dans l'océan lui-même, il change. Et ça, c'est un petit problème au niveau du pH de l'océan et aussi du fait que ça rend moins les carbonates disponibles pour former des petits coquillages de phytoplancton ou des coraux. Donc ça peut être un problème, d'ailleurs, qui est sous étude, mais on ne connaît pas encore vraiment la réponse exacte. Les problèmes fondamentaux auxquels je m'attache, il y en a deux. Un, c'est vraiment répertorier les endroits où l'océan est en train d'absorber la chaleur et où cette chaleur se propage. Parce que on a toujours parlé d'augmentation du niveau de la mer, qui est actuellement plus de 3 mm par an. Mais le problème, c'est que cette augmentation n'est pas homogène. Donc il y a des endroits où l'augmentation de la mer augmente un peu plus. Ça, c'est dû parce que la mer augmente d'une part parce qu'il y a plus d'eau qui arrive à la mer du fait de la fonte des glaciers et aussi de la surconsommation mondiale d'eau aujourd'hui. Donc on est en train de déverser de la mer et de l'eau qui était conservée dans les continents vers la mer parce qu'on la consomme. Et aussi parce que le réchauffement fait si que l'océan se dilate, donc il augmente en volume. Et donc localement, on a des augmentations des niveaux de la mer qui sont plus importantes et qui sont liées au fait qu'il y ait ou non plus de chaleur qui est absorbée ou arrive par un courant. Et ça, on les connaît très mal. Donc, je veux augmenter la connaissance qui est essentiellement ces maillons qui nous manquent près des continents. Et pour cela, on a besoin à la fois des observations, mais aussi des modèles qui digèrent les observations, un peu comme font les modèles des prévisions météo, pour chercher de retrouver ces puits des chaleurs manquants. Et aussi savoir comment cette circulation océanique change et son interaction avec l'atmosphère. Et ça, c'est un phénomène un peu plus grand échelle, à cause de ces changements climatiques, mais ça peut affecter tous les globes à terme. Donc la COP21, donc l'accord de Paris, avait donné comme limite un réchauffement de 2 degrés Celsius si on arrivait à un certain scénario des diminutions des gaz à effet de serre, mais qui impliquait aussi de la géoingénierie, parce qu'il fallait avoir des émissions négatives, c'est-à-dire il fallait absorber des gaz à effet de serre. Alors, pour ce qui concerne la bioingénierie dans l'océan, pour l'instant, nous n'avons pas beaucoup d'études qui sont en fait. Mais de toutes les manières, selon moi, il faudrait développer, je ne sais pas si au niveau biologique vraiment, de la bio-géo-ingénierie, mais au moins chercher d'éviter que des gaz à effet de serre supplémentaires aillent dans l'atmosphère, donc les capturer avant qu'ils aillent dans l'atmosphère. Et ça, je pense, c'est quelque chose qui devrait être faisable. Tous les outils, toute la technologie qu'on utilise aujourd'hui a été développée dans les années 80-90, c'est l'essentiel. Donc je vous parle des satellites qui mesurent les niveaux de la mer, la température des surfaces et la salinité aujourd'hui aussi. On n'avait pas des mesures de salinité de l'espace et donc on avait quelques mesures par ici, par là, même en surface. Après, tout ce qui est robot. Tout ça a été développé pendant ces années 80. Et ces années 80, donc, ils ont été commencés à être mis à la mer ou dans l'espace dans les années 90. On pensait que l'océan, par exemple, en subsurface, était un océan qui bougeait très peu. Donc les courants, ils étaient vraiment très moelleux, presque inexistants. On faisait des calculs souvent à l'époque en supposant qu'il y avait un niveau sans mouvement,
à 2000 mètres de profondeur, comme ça. Et dès qu'on a commencé à mesurer, on s'est rendu compte que d'une part, il y avait des courants très intenses aussi en profondeur, et que cet océan qu'on pensait un océan plutôt tranquille avait été possédé d'une variabilité à très grande, à des nombreuses échelles des temps, et aussi spatiales. Donc on a vu les tourbillons de l'espace et on a commencé à les mesurer dernièrement, de manière un peu partielle, parce qu'avec un bateau et les robots, c'est un peu compliqué à mesurer tout un tourbillon et les suivre. Et aussi, on s'est aperçu que ces courants dont beaucoup de se réfèrent, ces courants de jours après, donc la circulation thermaline qui est profonde, a des variations qui sont même du jour au lendemain. Et ça, on n'arrive pas encore à l'expliquer. Et donc, chaque fois qu'on fait des mesures, on trouve des choses nouvelles. L'océan il y a des courants, mais qui sont des courants très, très fins, ils ne sont pas très larges. Donc les gaz stream, il fait 20-30 km de largeur, ce n'est pas beaucoup. Et avec des vitesses qui dépassent les mètres par seconde, qui pour un courant océanique, c'est vraiment énorme. Et autour donc, de ces courants, il y a tout plein partout des tourbillons qu'on pourrait voir comme des cyclones dans l'atmosphère. Et donc il y en a qui sont un peu comme des cyclones, il y en a qui sont peut-être plus comme des structures qui portent les beaux temps, donc il y en a des chauds, des froids, et il y en a partout. Et c'est au fond à ces échelles qui se font les échanges avec l'océan vers l'atmosphère. Donc il peut y avoir par exemple un cyclone un peu plus chaud à un endroit qu'une tempête normale qui vient donc de l'océan Atlantique trouve un puits des chaleurs qui va capturer et il devient plus intense et il va nous provoquer une tempête vraiment pleine de vents, presque une cyclone à nos latitudes. Et donc l'intérêt est important parce qu'on connaît très mal ces interactions à ces échelles. Et ensuite, ça nous permettra de prévoir non seulement ce qui va se passer dans le climat, mais même au niveau de l'atmosphère. Donc aujourd'hui, les modèles d'atmosphère, des prévisions météo, c'est juste une atmosphère qui voit une température de l'océan qui est mesurée par satellite. Mais demain, on pense vraiment découpler l'océan avec l'atmosphère pour qu'il y ait cette interaction active à ces échelles. Après, c'est à son intérêt aussi vraiment physique, parce que l'énergie de l'océan est prise de l'atmosphère, c'est-à-dire par les vents, par les échanges des chaleurs d'eau douce, donc l'évaporation. Mais on pensait que ça se faisait essentiellement à des grandes échelles. Et on s'est rendu compte qu'il n'y a pas des courants grands, mais il y a des courants fins, et ensuite il y a une cascade vers des échelles de plus en plus petites. Donc les courants génèrent ces tourbillons qui génèrent des tourbillons plus petits, encore plus petits, et toutes ces cascades devraient aller jusqu'à l'échelle moléculaire que nous n'observons pas encore, et donc on a du mal à fermer, si vous voulez, les cycles d'énergie dans l'océan. Donc du point de vue aussi des processus dynamiques, sans parler des changements climatiques, cette découverte sont essentielles et il faut qu'on découvre maintenant comment ils fonctionnent et comment ils cascadent vers les plus petites échelles. Nos données, vraiment, je veux dire, Google, il est en train d'utiliser nos données parce qu'ils sont en accès libre, donc il sait où les télécharger et il les fait. Et nous, on cherche des données, une information où trouver ces données aussi, donc assez ouverte. Donc, et moi, je ne suis pas arrivée dans une recherche qui fonctionnait comme ça. Et moi, je trouve que c'est comme ça qu'il faut que ça fonctionne, la recherche. Tout ce qui est pris par la marine sont classés pour un certain nombre d'années. Ce qui est lié aussi à la recherche pour le pétrole, ou les gaz, bon, tout ce qui est... C'est parce que c'est fait par des industriels, donc là, ils la classent, mais nous, on cherche à les s'ébattre pour les ouvrir. Alors, il y a eu
des gros problèmes avec ces flotteurs qui dérivaient au gré des courants, parce qu'ils arrivaient dans des régions qui appartiennent donc aux nations. Et certaines nations, dans les pays en voie de développement, c'était une bataille, mais on l'a gagnée pour tout ce qui est température, salinité, pression. Là, on commence à mesurer des quantités biologiques, donc il faudra réexpliquer, mais on a déjà quand même ouvert des portes. Il y a des pays dans lesquels, pour faire des observations dans leur zone territoriale, il faut amener un observateur à bord et il faut faire des pratiques deux années à l'avance pour vraiment informer qu'on ne veut pas chercher de l'or, mais que cette information est vraiment intéressante aussi pour les pays en question. Et bon, après, encore, si on veut faire une mesure légèrement différente de celle qu'on avait prévue, c'est encore difficile parfois. On ne peut pas la faire toujours, mais on continue le dialogue. Et je pense que d'ici une dizaine d'années, les choses auront changé. Mais la communauté s'est bat, et c'est pour cela que dans ces grandes conférences, on veut inviter aujourd'hui non seulement les scientifiques, mais les utilisateurs des données, par exemple les collectivités territoriales, parce qu'on a besoin de savoir de quoi ils ont besoin, de quels produits. Et on cherche aussi de travailler pour réorganiser l'observation, parce qu'une observation en fait sur un bateau peut servir à plusieurs utilisateurs. Et donc peut-être observer de manière à avoir un coût-bénéfice plus important. Et aussi à chercher d'amener les politiques, les tutelles, les institutions dans ce type de dialogue pour leur montrer les coûts et bénéfices pour tout le monde.